cette action Route des métiers est intéressante. Pourquoi? Parce que, a priori, sur les 4 centres de la Nouvelle-Aquitaine, que sont Rochefort, Codéran, Périgueux et Égletons, ça va représenter globalement 90% des métiers ou des parcours métiers dans les secteurs professionnels que couvre l'OFPA de la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons un recrutement à Égletons spécifiquement national. Dans le transport, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais, local, régional, sur l'Aix-Limousin, en sachant que nous avons aussi des opérations de transport sur Bordeaux, Bordeaux-Pessac, où nous réalisons par exemple pour le compte d'un grand groupe Keolis des formations de transport de voyageurs depuis quelques années, où on forme entre 40 et 60 personnes à l'année. Nous avons formé plus de 400 chauffeurs de Keolis. Ces chauffeurs sont aussi à terme chauffeurs de tramway. Donc on a un partenariat avec cette entreprise, on travaille en 2-8, donc une équipe le matin, une équipe l'après-midi, et là nous avons un taux de 100% de placement dans l'entreprise Keolis. Keolis Bordeaux Métropole, c'est une filiale du groupe Keolis qui intervient en France et dans le monde entier dans le domaine du transport de voyageurs. Une activité groupe qui est pour 50% globalement réalisée en France et routant à l'international. Au-delà de l'activité bus et tram, nous avons également d'autres activités sur notamment une navette fluviale qui permet d'être un maillon supplémentaire de la chaîne de déplacement. Nous avons un partenariat AFPA, Pôle emploi et entreprise qui nous permet d'offrir la possibilité à un certain nombre de personnes qui n'ont pas les prérequis métiers de les obtenir. On est dans ces démarches-là sur des signatures de contrats de professionnalisation que l'on signe en CDI. D'emblée, dès le premier jour de formation, les personnes sont en CDI et la continuité de ce CDI est assurée dès lors que le diplôme est obtenu et que les prérequis métiers sont bien présents et que l'emploi peut être obtenu de façon pérenne. Une bonne formation, des stagiaires impliqués et ça le fait.